compa-events.com. Et quelle catégorie de question? Question que je gagne, c'est pour même Dabenz et Jean Zola, le travail que nous-mêmes dans IT Biographie fait, il y a un pile pour avec social media. Et je pense que, étant que, de star, pour piggyback sur ça que Guy Wewe dit, on son chanteur qui fait un pile bagaille, est-ce que vous pensez que le public haïtien, il y a beau et valeur et importance que ou même ou connaît par rapport à l'effort qu'on mette dans le business là? Par rapport avec ça que nous ouais sur social media, on a parlé, on a fait joke, on a fait un paquet de bagailles. Est-ce que vous même pensez que ou joindre et satisfaction de public là qu'on mérite? Bon, et on peut dire oui et on peut dire non. Oui, comme dit oui, c'est parce que respect est toujours là, c'est-à-dire qu'au niveau de médias, au niveau de fanatiques qui connaissent ça que me vaut, qui connaissent ça que me fait tout. Mais non, et on l'autre côté, c'est que moi-même, je considère comme un Kim Kardashian, comme un Beyoncé, comme un Jay-Z, comme un Michael Jackson, tout. Et comme ça, je considère que je ne considère pas des fois un artiste haïtien. Parce que je connais sur fanpage et Jay-Z, sur l'autre page et Chris Brown, je ne sais pas si je dis qui sont hurtful pour un artiste. A dit que moi tellement ra Chris Brown c'est des jeunes d'actuel. Si des jeunes Beyoncé a proposé si des jeunes c'est comme si le moi bagage ça moi ri parce que moi comme si c'est moi même qui sont artiste ici dans business moi a pas gain millions la donne. Gain mille gain des mille de dollars mais pas gain millions. On bon si gain millions pas connait le fait des dom là. Ouais. On bon et millions s'il fait peut-être il ca fait dans 10 ans. L'on prend comme vous remplacez 5-6 ans le cas, ou prend tout comme ça aussi, le cas 20 millions. Et ça fait comme si, des fois, comme si ça va déranger parce que moi, comme si, moun sa ou pour débat, y a dit que qui est so hurtful, y a dit moun yo, moi, comme si moun yo va en répondre bien vague. Je pense que, gon bagay, toujours dit, the more you talk about me, the more famous I become. So, plus vous parlez, d'abord, je plus sur ça. Et je pense que, degré artistique, arrive tellement non niveau parce que, pour tellement de bagay, yo dit, sou moi, et grand pile moun qui besoin comme ça. D'abens de tout. Ils ont besoin de nous. C'est même jamais sorti. Je ne parle pas à Maïsso. Je dis Maïsso, bon. Je dis Maïsso, mais gris-moi. Maïsso dit non. Ou pas gris-moi. Qu'ils ont dit? Ou creux. Ils ont dit. Je me suis dit le grimaud, ou pas grimaud, ou clair. C'est juste, nous on passe comme si les sociaux médias avaient tellement de bagages là-dedans, et l'aider un peu l'artiste. Et grand pile bagaille dit dans artiste on pense que c'est au monde qui doit. Tu es content de telle musique, oui. Et d'abord ce qu'il fait, oh, partenaire, autant de partenaires du grimaud. Ça va déranger. Est-ce que ça me dit? Je pense que le travail a fait des côtés. Il y a oui, il y a non. Et puis c'est pour ça parce que nous dans le public, nous sommes comme si nous sommes artistes là et we are the public faces. Ça veut dire que des gens dans le monde qui ont dit ça. Mais ça, où vivez? Bon, nous finissons par parler de ça. Mais il reprend une couleur lui. On y a un bon japleur. Là, au final, il dit l'autre zombie. Il n'y a pas de l'autre zombie, il s'en vient. Il y a des zombies. Depuis qu'il était dans le ventre, oui. Bah, j'aime mon nom à vivre. Parce que j'aime Chita, là, quand même, c'est musicien. Haïti ou bien Miami? Miami. Mais ni Haïti, tout. Oui, c'est sûr. Bon,
nous pas un problème parce que nous travaillons et puis mon yo qui ça mon yo même ça nous fait. Est-ce que tu réussis dans la musique? Bon, haïtien en Haïti et nous on a dit comme c'est on tient haïtien mais oui moi aussi. Oui, moi d'exemple. Moi. Peut-être sauter on l'autre bagarre travail dans entreprise comme employé.